C'est aussi possible de représenter des fractions sur une droite numérique dans Minecraft. Alors, par exemple, ici, on veut demander aux élèves de placer sur une droite numérique les fractions suivantes: une demi, sept quarts, six demi, trois entiers et trois quarts. Et on demande aussi à l'élève d'inscrire une équivalence pour chaque fraction représentée. Alors, voici la construction de la droite numérique. Alors, pour chaque entier, on représente l'entier avec un bloc d'une couleur qui est différente. Par exemple, ici, on a le 0, on a le 1, et entre les deux, on vient placer des blocs pour représenter chacune des parties de l'entier. Alors, ici, on a 0, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts pour un entier, et ainsi de suite. Donc, un entier, un quart, un entier, deux quarts, un entier, trois quarts, deux entiers. Et on poursuit comme ça sur cette droite-là jusqu'à quatre entiers. Alors, allons placer la fraction une demi d'abord. Donc, à partir du zéro, j'ai ici un quart, deux quarts, qui est l'équivalent de une demi. Alors, on va aller placer un bloc d'une couleur différente par-dessus celui-ci. Et avec un tableau, on vient inscrire la fraction demandée ainsi que son équivalence. Maintenant, prochaine fraction à aller placer, c'est la fraction 7 quarts. Alors, un peu dans le même esprit. On sait qu'ici, on a un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts, cinq quarts, six quarts, sept quarts. Alors, on vient placer un bloc d'une couleur différente par-dessus. Et avec un tableau, un panneau, pardon, on vient inscrire 7 quarts et un équivalent, un entier et 3 quarts. Et dans le même esprit, on va aller placer les deux autres fractions. On a 6 demi à les placer. 6 demi ou 3 entiers. Et finalement, trois entiers et trois quarts. Alors, trois entiers, un, deux, trois. Trois entiers et trois quarts ou 15 quarts. Alors, voilà comment on peut représenter des fractions sur une droite numérique dans Minecraft Éducation.